Salut, salut! Alors, tout qui marche ou pas? Tout qui marche ou pas? Ça a l'air. Ça a l'air d'être bon. Salut Juju, salut Steph Neuneu. Oui, Exploit Kitchen. Ils ont osé, tout à fait. Ils ont osé. Alors, je vais juste sauvegarder. S'il y a besoin de sauvegarder. Alors, hop. Voilà, c'est bon. Que ça ira. Tu m'as envoyé un message sur Discord? J'ai pas vu, Juju. J'ai pas vu. Non, j'ai pas mangé McDo du coup. Spoody, dès qu'il passera, pourrait l'insulter de traître. Sur le général. Ah non, mais excuse-moi. J'ai pas eu beaucoup de temps pour aller sur Nintendo Town aujourd'hui. Et j'ai priorisé les news. J'ai encore plein de news à faire. J'ai pas le temps de les faire. Je suis en retard sur plein de choses. T'as pondu à autre chose. Ah. Bah désolé alors. Attends, je vais regarder du coup. Alors, pour le concours Twitter de ce soir, on croise les doigts. J'espère, je prie. Ouais. Effectivement. Ah ouais, effectivement. Tu m'as bien demandé si j'avais mon McDo. You're right. Tiens, j'ai pas vu qui c'était parce que j'ai pas mes lunettes. On parle d'explosion chat, donc je suis venu. Oh, putain, c'est pas possible. Qui c'est qui m'appelle? Je reviens tout de suite. Ah, on n'a qu'une maman. Alors. Salut Lina, en tout cas. Alors, on va découvrir ce jeu qui est disponible uniquement sur l'eShop américain, que j'ai acheté sans faire exprès. Et juste après, on refera un petit peu de Monster Hunter en attendant l'émission. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai kickstarté à l'époque, quand il est sorti. C'est l'un des plus gros succès de Kickstarter de tous les temps. Donc c'est un jeu de cartes qui est depuis sorti en France en français, parce que moi j'ai la version anglaise. C'est d'ailleurs un très bon jeu de cartes, hein, il n'y a pas de souci. Et ils en ont fait un jeu vidéal, donc on va y jouer ensemble. Voilà. Je sais pas ce qu'il faut faire. Alors, on va peut-être changer d'avatar quand même. Attention hein, quand même, on va publier d'ici peu la soluce complète. Hein. Alors, Shores of Kitten, ok.
Elle joue que contre une personne, c'est un peu nul. J'ai perdu une fois contre lui. Oh putain, le contre comme une lose. Bon, bah, mon honneur est à sauver là. J'ai rien compris. Salut Tyrannus, mais ça n'a rien à voir avec le jeu de cartes habituel. Ça va avec toi Tyrannus? J'ai payé $15. Non, il est pas en français, non. Mais pourquoi je fais ça? Ouais, il y a un mode. Ouais, je suis un peu. J'aime beaucoup le jeu de cartes, mais j'avoue que je suis un peu deck, quoi. Je vais prendre. Il va prendre. Ah, j'aurais dû laisser. Je suis bête. Là, faut que je shuffle. Hop. C'est vrai. Tu peux taper point d'exclamation et les bas. Je
Ah ouais, d'accord, ok. En fait, il faut juste piocher le plus de cartes possible et avoir que des défis. Ah, en fait, jouer contre un Andy, c'est un peu du machin. Hein. Voilà, 15 dollars que j'ai dépensé sans faire exprès. Je suis salé. Voilà, je vous le dis, je suis salé. Il y a Poison de contrôle que j'aimerais bien. Oui, on va jouer sur MH. Crois que je peux pas vous montrer Poison de contrôle. C'est bien dommage. Allez, on va se mettre sur le vocal. Et en attendant l'émission, on va frapper des Tyrannus. Peut-être que Tyrannus sera là pour l'émission cette fois-ci. Peut-être qu'il va pas décliner quand même comme d'habitude. Salut Lina. On l'a explosé le chat. Bah Tyrannus, il y a un moment en fait, tu sais que t'es dans l'équipe, tu peux aussi te demander. On t'attend en fait. On attend, on espère que tu participes un jour. Mais comme tu n'as toujours pas de... Je sais bien, tu vois. Encore en train de dire que c'est notre faute. On va créer un lobby, on va rejoindre un lobby, je ne sais pas. Je ne sais pas. Créer un lobby... Liste d'amis, est-ce que j'ai des amis qui traînent et qui ont un lobby dispo? Nina Donia, râleuse, elle joue râleuse. Oh bah ils sont pleins, c'est dommage. Pen Pen qui est en ligne, Steph Nomé qui est en ligne. Spoody. J'espère, ça vous dit quand même. Putain, j'en ai envoyé des likes. Jeu en ligne. Donc, créer une lobby. Oh, tu fais ce que tu veux, mon Steph de Neu, y a aucun souci. Je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire. Ah, si, il fallait que je farme mes armes. Hop là. Alors, arme, arme. Celle-là, je l'ai pas. Ça fait pas ces dégâts. Arco Mumu, c'est de la merde. Ah, celle du Magnalo, c'est vrai. J'ai celle-là 200, c'est pas mal. Ici. Ibushi. On sait pas comment l'évoluer, ça. Là, comment je le sais. La dernière d'Ibushi, on sait pas comment l'évoluer. La Narwo, je sais pas comment l'évoluer non plus.
Mais Narwo, faut refaire le boss de fin, j'ai pas envie. Calamité. Je l'ai celle-là ou pas? Elle fait pas de dégâts, ça m'intéresse pas. On va faire ça où? Parce que moi, j'ai même pas la recette, comment déjà je fais avoir pour avoir la recette? Ah bah y'a Znico! On attend Znico! Il a l'air pas mal l'arc du singe aussi là. Justement, il faut juste de la thune par contre. J'ai tout ce qu'il faut sauf la thune. Et ben on va farmer de la thune. Là, je crois qu'il y a Znico qui va nous rejoindre aussi. Et du coup, faut qu'on change. Créer. Wesh! Hop là. Il faut créer un lobby parce que. Enfin, t'es RC combien maintenant, Nico? RC4. Ouais. Ah ouais, non. Créer un lobby, on te rejoint, nous. Ah, tu veux que je crée un lobby? Ouais, parce que moi j'ai mis entre 5 et 7. J'ai fait un peu de sélection pour. Tu veux que je mette RC minimum 4? Oh, tu mets ce que tu veux, hein, c'est vrai. Ouais. Des sauts d'acier. Ça se revend. Ça sert juste à être vendu. Très bien. E d'acier, E d'argent et E d'or, c'est. Ça te fera des sous. Je te donne l'idée du lobby? Non, pas besoin d'autre, vraiment. Ah bah oui, c'est vrai, vous êtes. On est copains. Bah ouais. On se barre les chats, voilà, c'est bien. Hop. Je sais plus si j'ai les Nico dans mes amis déjà. Bon, j'ai dit de pas t'accéder dans ses amis, donc normalement. Hop là. Voici. Liste d'amis. Si, là. Nico Bock. Accéder au lobby. Tyrannus qui est déjà de retour. Il était déjà en train de me manquer, personnellement. Alors, vas-y, lance ta quête, du coup. Ouais. Oh, c'est où les œufs? Après, je sais pas, vous préférez que j'avance sur le RC ou bien que je farme du grand Voggy? Fais comme tu le sens. Ouais, fais ce que t'as besoin. Après, plus t'avances, plus vite t'auras des trucs intéressants. Donc, Bah ouais, c'est donc que je vais avancer. Ah, les œufs, ça sert qu'à ça. C'est un peu... En plus, ça se revend pas cher, c'est mieux. Alors, t'as eu lesquels? T'es en acier? C'est que seulement 1000. Ça en argent, c'est 10 000 et ça en or, c'est 100 000. Non. J'ai pas eu en or, c'est pour ça. Ah, y a Tyrannus qui m'encourage, dis-moi. Y'a le truc à te demander, je pense. Allez. Acnosum, ok.
Eau précieux, 33. Tiens, lui, c'est parti sur Fortnite. Voilà. Fais-moi un arc, toi, humain. Voilà. Alors. L'arc du singe, il est où? Il est là. Hop. 190, mais 9 de foudre. Ok. Forgé. Oui. Non. Hop. Ouh, 210. Très bien. Oui. Et amélioration d'un de la qualité. Talent calamité. Hop. Une petite game avant de poursuivre mon test. Mytho. Alors, qu'est-ce qu'on va taper? Ah. De l'acnosome. C'est du RC4 ça? Ah oui, c'est le début des plus. C'est. Ouais. Ok. On va manger quand même pour faire semblant. Hop. Alors, est-ce que les DM sont prêts, Zdico, pour les vacances? Ouais, les DM sont déjà envoyés. Tout est déjà parti. Là, j'attends juste. Il me reste à envoyer quand même un brevet blanc pour les troisièmes. Ouais. Histoire de dire qu'ils s'entraînent. Mais sinon, tout est prêt, quoi. Brevet blanc. Alors, ce qu'il va te faire, le mytho. Moi, je sais que mon DM, je faisais genre, je le recevais et je le faisais tout de suite. Comme ça, après, rien à foutre des vacances. Je sais plus, je crois que c'était toujours le mercredi après-midi après le sport. Ouais, tout à fait, Spoody. Allez, mesdames et messieurs, pour que Spoody m'envoie enfin un McDo d'ici ce soir, je compte sur vous. Harcelez-le. Menacez-le. Il y a une mission ce soir. Ben, justement. Justement. Quand veux-tu que je fasse l'émission de façon qualitatif si jamais je loue ça pour un McDo? Bah fais-le avant l'émission, il te reste une heure. Et comme ça tu feras l'émission en direct live depuis les studios de Nintendo Town, ce serait la classe. Ah c'est sûr que si j'avais reçu un McDo comme promis. On aurait peut-être un gagnant sélectionné pour le tirage au sort de Story of Season. Mais bon, après tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, il reste 40 minutes pour éventuellement participer au tirage au sort sur Twitter pour gagner le magnifique Story of Season sur Nintendo Switch en boîte avec plein d'amour dedans. D'accord, on voit genre le mec côté, Zico. Ouais, ouais, je suis même pas encore arrivé. Et Miel, c'est toujours là quand il faut. Viens de vous laisser le lien. Comment ça, la femme de l'ordre a ragé? Apparemment, elle a eu des bugs sur son jeu. Ah ouais? Elle a mis ça où? J'ai pas tout suivi, c'était sur le. Il y avait un message sur le Discord par rapport à ça. Alors je lui fais pas de dégâts, je pense que j'ai pris un truc. Je vais prendre explosion au feu. J'ai pris un truc glace et ça marche bien. Il résiste à quoi ce con? Volonté, paralysie, feu foudre, fléau foudre, une étoile. Ouais, donc c'est même pas ça.
Oh, tiens, après, je vais le voir ça. Oh mon dieu, tu m'as fait une attaque. Il est gueudin. S'enfuit. Vivement les nouveaux monstres quand même. Ouais. L'idée de monter RC7 aussi vite aussi. Bah j'y peux rien moi. Je suis pas testeur moi, j'ai que ça à faire. Oh, un truc caché. Ça vaut même pas le coup. Chose promise, chose due. Je me remets sur mon test. Ah, je croyais que c'était Spoody qui avait dit ça. Genre, Spoody qui dit chose promise, chose due, paf, il débarque chez moi avec un McDo, j'étais là genre, oh, un 280 supplément fromage. Oh, j'étais heureux quand même. J'ai augmenté sa paye direct. Et oui, Spooty, on a aligné tous les monstres. En tout cas, en live, je vous ai montré l'intégralité des monstres à tuer. Vous avez fait ça hier? Ah non, non, non. Mais ah non, sur, toute la... sur toutes les phases de jeu que j'ai faites, j'ai montré l'intégralité des monstres. Dont le boss de fin, évidemment. J'ai loupé des trucs, alors. Sur M6, ils vont me parler du... Super, waouh, trop bien. M6, ils vont prendre les images de Nintendo Direct et puis ils vont en parler. Ça sert à rien. À part nous foutre la haine parce qu'on peut plus y aller. M6 qui cette semaine a fait du journalisme. Ce qui est assez rare pour le signaler. Et avec puis... l'histoire des restaurants. Ah ouais, franchement, en plus, plusieurs fois ils ont essayé de les faire taire et ils ont. Ouais, ils ont toujours mis une petite pièce dans la machine. Ah ouais, franchement. Respect quoi. Et on va sûrement faire tomber quelques têtes et ça fait plaisir. Alors ça par contre la suite je suis pas sûr. Oh mais si, moins... parce que là je peux te dire que le gouvernement ils sont un peu dans la merde. Avec, c'est difficile de demander aux Français de se entre guillemets confiner et aux restaurateurs de ne pas ouvrir alors qu'ils se font plaisir eux. Donc là je pense que ça va faire changer un peu les choses. Ils vont devoir soit virer des ministres. Soit réouvrir et accepter les ouvertures. C'est ce qu'ils vont dire du coup. À part Atal, moi je vois personne hein, qui pourra partir. Bah ceux qui étaient à la réunion hein, par exemple. Ils vont jamais balancer les noms. Je sais pas, faut qu'elle vire. Oh non. Oh, t'auras peut-être des noms, mais ça fuitera par un journal genre. Ah oui, oui. Canard enchaîné ou un truc comme ça. Il les balance une fois les noms, mais ça fuitera. Blancard, je pense que c'est le ministre préféré de Znico. Je vais te dire, tu veux que je perde mon poste. Mais non, j'ai pas dit ça. Je viens de dire que c'était ton préféré. On va dire que c'est mon ministre de l'éducation préféré. Ça, je suis tranquille. C'est comme ma femme préférée, mes enfants. Ouais, c'est ça. Rien. Vous êtes mes enfants préférés en même temps. Après, c'est dangereux de dire mes enfants préférés parce que ça peut dire que t'en as d'autres.
Comme dire ma femme préférée. Hein. Bon, c'est pareil, hein, je dis, ah, t'es la plus belle femme de la maison. Actuellement. Pas deux fois encore. Et ce matin, je faisais des recherches pour mes news, et je suis tombé sur une information que Spoudy essayait de cacher. Est-ce qu'il y a le 280, il n'y en a plus? Non, il est en train de d'effectuer un stream. Ouais. Ouais, je l'ai chopé. Donc, au lieu de préparer des hamburgers pour toute l'équipe, d'accord. Non, pas toute l'équipe. Juste les gens qu'il aime bien. Bah, toute l'équipe alors. Ah non. Non, sinon, Tyranny, je vais croire qu'on l'aime bien. Arrêtez. Ah, il est capturable. Ah, t'as posé un piège. Ah, Steph arrive à la fin. Bien joué. Quel sens du timing? On dirait Jérém. Ouais. On dirait Jérém. Oh, d'ailleurs, il faut que j'envoie un mail à Znico. Hop, pas Znico. Bon, la chef roulette a déjà fait son office. Ah oui. J'ai pas encore lancé d'ailleurs. Ouais, je suis venu un peu gratter. Hein. D'accord, donc Spoudy vient d'admettre qu'il ne m'appréciait pas. Très bien. Et j'ai pris du loot rare, une gemme rapace, très bien. Ah, j'ai ça, eu c'est bien pour quand tu as fabriqué les joyaux. Ouais, j'ai eu deux écailles. Spoudy, il te reste un peu là. Il n'y a qu'une solution. Non, mais Spoudy, vraiment, pour le coup, t'embête pas pour aujourd'hui. Par contre, mercredi. Mercredi, je compte sur toi et tu sais très bien pourquoi. C'est la chandeleur. Mercredi, je viens, je te donne de l'argent dans un sac, tu me donnes des cartes Pokémon dans un autre sac. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est mercredi qu'elle sort. C'est la foudre. Miel, miel, miel. Ne demande rien, ça sert à rien. Puisque je prends pour tout le monde. Je serai. Non, non, mais je viens. Ah non, mais attends, mais qu'on soit clair. Je suis là. Dès que tu commences le boulot, je suis là. Hein. Si même tu peux les avoir le 14, tu les as un petit peu en avance, je suis là, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu l'as au tarif que tu m'as annoncé, je suis là. Et puis si jamais on les a, eh ben, on se fera avec Miel, on se fait un live ouverture de booster McDo. Le midi, hein, c'est sûr. Mais pour ça, il faut compter sur Spoody. Alors, je lui mets pas la pression, mais j'appuie violemment, on va dire. Alors, donc, j'ai voulu au maximum ce truc. Ah, et Juju qui veut. En plus, tu vois, Spoody, Juju qui dit qu'elle apprécierait aussi avoir ce live. Donc. Si je travaillerai mercredi matin, je vais voir le live quand même. En replay. On va chasser de la peau lubrifiée. Alors, c'est sensible à quoi le kouzou? Kizou. Non, pas la foudre. Non, pas la foudre. Ah non, surtout pas la foudre avec Non, c'était lui. l'inverse, pardon. Poison. Le Poison, feu. explosion. Poison, explosion, feu, c'est ça? Ouais. Ah bon, on va prendre de l'explosion. Explosion, explosion. Tu peux t'habiller, s'il te plaît, Lina? C'est une catastrophe. Je suis habillé. C'est la nouvelle armure, ça. On se retrouve dans un manga japonais. Moyen de tissu, plus c'est résistant, quoi. Ou un MMO coréen. Je sais pas, je joue pas au MMO, encore moins au coréen. C'est Zniko C'est les trucs où tu... qui.
Nico, quand il écrit pas de test, il est sur Skyforge, je sais même plus comment ça s'appelle. Skyforge? Ouais. Son MMO préféré. Longtemps. Non, mon dernier MMO préféré, c'était Guild Wars. Je sais pas, j'ai joué qu'au tout début de Guild Wars. Mm. Vraiment le début du début de, d'avant le début, quoi. J'ai fait le premier, j'ai adoré le 2 aussi. Oh, le 2... Quelqu'un n'a pas pris son farm. Ah bah c'est moi. Ok. Vous voyez à quel point je suis quand même plutôt honnête. Hein. Ouais. Donc c'est sacrifié pas, pour nous, ouais. Je suis là, il y a personne, il y a quelqu'un qui a oublié son farm, en fait, c'est moi. Tu fais pas comme certaines personnes dans ton terrain le nom. Qui commencent par G et qui finissent par M, quoi. Entre autres, et aussi par un A. Il se perdra. Akiko? Non. Non, ça commence, ça finit pas par droit, Akiko. Eh, franchement, Spoody, tu... What? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Waouh! Oh, trop bien. J'ai trouvé un truc caché. Trop bien. Salut, Iko. Hop, hop, hop. Franchement, ouais, si... Faut qu'on... Si jamais on peut avoir à 10h-11h, on peut faire un stream vers midi d'ouverture de booster. Et à ce moment-là, je m'arrange avec Miel et tout, ça va être le carnage. Hein. Bah ouais, Iko, on s'ennuie, donc on tape des monstres. Ah, Juju, tu peux ouvrir le stream quand tu stream, non? Ah non, ouais, du coup, Miel, elle bosse le midi. Mmh. Ah, comment faire un stream sans elle? Ah, pas en mangeant. En visioconférence. Bon, franchement, Miel, t'es malade mercredi, puis c'est tout. Le Covid. Tu fais un arrêt... Un arrêt COVID, un arrêt carte Pokémon. Non, bon, on va s'arranger pour avoir ça. Après, l'intérêt, c'est de faire vraiment le jour de la sortie des cartes pour pouvoir dire aux gens que les cartes sont disponibles. Parce qu'il y a plein de gens qui vont louper l'info. Bon, on essaiera de faire un deuxième live pour je sais pas comment ça va. Bah voilà, fais-toi un arrêt Covid. Ça tombe bien, tu t'appelleras toi-même comme ça. Pourquoi tu peux négocier ça, Nico, t'as chopé Covid? T'inquiète pas, c'est elle qui a les positifs en fait. Ah bah impeccable. Vous voyez, sur nintendotown.fr, on arrange tout le monde, même les arrêts Covid. J'espère que Darmanin ne vient pas ce stream. Pas Darmanin, c'est Castex surtout. Bon, Castex il fera jamais rien, comme d'hab quoi. Il va faire un discours.
Pourquoi je suis pompette comme ça? C'est pas possible. En vrai, je le ferai même pas. Je te l'ai dit ce midi, Miel. Tu acceptes ta prolongation de contrat et tu te mets en Covid long juste après. Déjà rien que faire le test, non? T'es obligé de rester chez toi pendant jusqu'au résultat. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Ça se croit? Je sais pas. Miel, ouais, tu peux pas sortir, je crois. Tu dois en faire un deuxième. Ah, c'est sauf. Après, tu commences pas par un non fiable là, qui ira en 15 minutes. Si t'as un suffisant cas contact, non? Ouais, voilà, Spoudy le dit aussi. On va se calmer, monsieur. Ah! Oh. Merde. Oh là, mais Miel, t'as pas des doutes mercredi prochain? Ah oui. Tu dis que t'as rencontré quelqu'un sur Tinder et que t'as pas mis masque pendant votre rencontre, et puis voilà, hop, cas contact. Vous êtes sûr, madame? Ah oui, c'était très contact. Ça y est, après avoir rangé des coups cas contact, on arrange des coups entre nos viewers, tout va bien. N'allez pas sur Mythic, venez sur nintendotown.fr. C'est 100% gratuit. Enfin, c'est ce qu'on vous fait croire. Et on va voir vos informations sur le dark web. Tu veux pas que le net sache que tu vends des culottes sales de Clarine à Naruto Luffy? Y a pas qu'à Naruto Luffy, hein. Ah. Du coup, on a pris 5-6. Ouais, sauf que c'était pas celle de Clarine, c'était les siennes. Et Jérém, on a pris un carton acheté. Ah, mais Jérém, il en a pris un carton pour les revendre à Naruto. Ouais. Je crois qu'il y avait un prof de sport qui s'était fait choper comme ça. Sérieux? Ouais, genre à la piscine municipale, en fait, il prenait les... Il récupérait les petites culottes, ouais. Je sais pas où, à qui, enfin, aux élèves pendant qu'ils faisaient la natation. Et puis, il les revendait sur Internet, quoi. C'est une tristesse. Ouais, il faut tout pour faire un monde. Non, oui, il faut vraiment pas de tout, quoi. Il y a ces genres de gens, vraiment, on s'en fout, quoi. Ils sont pas là, c'est pas grave. Il va dormir. Il est parti où? Il est reparti dans son trou. Mmh. Bref. Ah, il va dedans? Non, il va pas dedans. Putain, il est mort. Retourne. Qu'est-ce qu'il fout? On va le tuer. Hein. Ah. C'est qui stream ce soir, c'est Echo? Y a personne ce soir. C'est toi qui stream Echo ce soir?
Je crois pas avoir vu quelqu'un après l'émission. Après, il y aura peut-être un truc sauvage. Je viens. Ça sert à rien de faire tes bouboules, on les esquive. Mon prof de sport au lycée a été surpris en train de brasser une élève. Le prof est resté et l'ANA s'est fait virer. Bah oui, bah en même temps, pour embrasser quelqu'un, faut être deux, hein. Ouais. Il est prof de sport, donc on sait que bah y a pas beaucoup de chance dans la vie. Il y a pas beaucoup de chance dans la vie, donc. Donc voilà mais quoi. Il y a que les profs de sport qui sont comme ça, déjà toi, les culottes sales, lui. Ouais, non. Après, il y a des dérives. Il y a des dérives partout, hein. Chez les profs de maths aussi. Ah, les profs de maths aussi. Mmh. Oh, c'est les pires. Ah ouais. C'est des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu faire physicien, donc. Mon dieu. Ah, apparemment, c'est Kuro qui stream ce soir. Parfait. Oh. Enfin, pas du matin. Ouf. Ouais. Bah, c'est ce qu'on vient de me dire, hein, Kuro. C'est Spoody qui t'a balance. Allez, Nico, encore une ou deux quêtes là avant l'émission. Il est quelle heure là? Une quête, ouais. Ouais, 5 minutes la quête, c'est bon, non? Là, il n'y a pas Léa ce soir, je crois, à l'émission. Non, il n'y a pas Léa. On ne sera pas engueulé si on dépasse un peu. Donc, on peut faire deux quêtes. Bah, attends, on est à 5 minutes par quête là ensemble. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a pris? Voilà, un tétranodon. Tombe parfaitement bien, j'ai un truc à lui. Ah, c'est en arène? Non. Bah, c'est marqué l'arène de l'archipel. Non, c'est la glace, c'est le truc de glace. Ouais, j'ai archipel de glace, moi. Ouais. Ouais, mais c'est le nom de la quête en fait. Arène de. Arène, c'est quoi? Bah, il y a des monstres qui se battent en arène. Donc, ils te filent dans une arène. C'est bien, après, ils sont. Il y a plus facilement facile de les monter. Ouais. Facilement facile. C'est un lieu où faut battre un champion qui te donne un badge participe à la ligue. Bien vu! J'aime beaucoup. Génie, c'est dans l'arène justement où t'as chanson. Le ticket champion pour améliorer la. Ah, il t'en a des tickets champions en arène. L'épée Magdamalo. Nico, apparemment, boss, bah, il a qu'à faire un stream Larry, mais à son hôpital. Ça ira des infirmières. Il y aura peut-être Léa. Il y aura peut-être Léa. Ah, si, ouais, si Nico drague Léa. Tout de suite. Ah non, il drague pas du coup, non, mais il bosse dans le même hôpital. Ah bon? Ouais. Tout est lié. Je crois qu'ils se sont jamais croisés. Je crois qu'il bosse dans des services complètement différents. Ouais. Il est ouf le parc Mario. Tu sais qu'on a eu un Nintendo Direct complet qui a présenté le parc Mario Tyrannus. Là, si tu l'as loupé, tu peux toujours regarder le reportage M6 ce soir. Ah, Nico qui dit on s'est jamais croisé. Ouais, bah ça m'étonne pas. Elle est pas du tout au même endroit que toi dans l'hôpital. Moi, il me fait pas tant rêver que ça, le parc Mario, en fait. Ah, j'y vais, je suis content, hein, y a pas de soucis, hein, mais... Oh, bah oui. Je sais pas. Ah, c'est sûr, c'est crazy. Oh merde.
Eh mais j'étais en train de finir une remota là. On va se calmer monsieur. Tech face là. Il va me bouffer, c'est ça? Ah j'ai pas vu à quoi il était sensible ce con. Quoi? Peu. Apparemment pas à mon arc. Tétranodon. Sensible à la paralysie, à l'explosion et à la foudre. Ok, super. Un peu non, ok. Ah, je suis en combat, pardon. Ah bah oui, mais c'est sûr. Non, non, mais moi je suis un peu déçu par tout ça en fait. J'en attendais rien et je suis déçu quand même. J'ai pas fait une émo, je crois. On avait du quoi foudre? Allez hop. Ouais. Ah non, 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 c'est pas un land universal. C'est comme aux États-Unis en fait. Tous les parcs Nintendo seront des, comme tu dis, des parties universales. Bah écoutez, moi je ne sais pas, mais la prochaine fois que j'irai, l'attente elle sera pas trop longue pour moi, puisque maintenant je suis handicapé. Bon, allez à Disney avec moi. Tu peux y aller déguisé, tu peux y aller déguisé dans le style de l'attraction et tu passes prioritaire. Non, non, juste handicapé. On avait fait avec. Avec ma fille et une amie à elle, donc elles avaient, je sais plus, on avait 3-4, pris 3-4 3-4 déguisements chacun. Et du coup, à chaque fois, on passait prioritaire. C'est cool ça. Ouais. Et donc, depuis que j'ai ma carte, il y a plein de gens qui veulent aller à Disney avec moi. C'est fou, hein. Jus qui n'a été qu'une fois à Disney. Oh, c'est con. Ah, il y a un deuxième monstre, là. Ouais, là, nous sommes. Woody qui explique qu'il est blindé et qu'il dit à chaque fois que je vais à Disney je prends les deux parcs plus l'hôtel. Ok Spoody, vas-y, rends-nous jaloux. Dans le château de la Belle au Bois Dormant. Et il vient de vomir le monstre. C'est dégueulasse. La vie croquette. C'est lequel qu'il faut tuer déjà? Oui, c'est pareil. L'hôtel Davy Crockett. J'avoue que moi j'ai eu de la chance quand j'étais petit, mes parents m'ont emmené quand même. Je pense 3-4 fois à Disney. Jamais été.
J'aime pas trop les manèges là, qui ça trempe de partout. Il fait trop rire. Spoudy. Elle t'a quitté, c'est ça, Spoudy? Elle t'a quitté juste après le parc? Tromper juste après. La tirade. Ouais. Ça se fait pas, quoi. Non, moi, il y a juste un truc qui me traumatise à Disney. C'est miel. Les gens déguisés? Non, la maison des poupées. Oh, ils l'ont pas fermé ce truc là. Chaque fois que j'y vais, j'essaie de le brûler, mais c'est pour pas feu. Nanana, Non, mais c'est affreux. En plus, tu t'attaques toute la tente, t'en peux plus quoi. Tu l'entends déjà pendant que t'es dans la queue, puis tu l'entends et ça reste dans ta tête au moins. Bon, Spoudy, tu t'es vengé, j'espère. Il y a une fille qui l'a emmené au futuroscope et après il l'a trompé. Non, pas le futuroscope. Bientôt, ça va s'appeler le passéoscope, hein. Ouais. Eh, il nous reste une game et j'avais dit, et tout pile. Franchement, on va être tout pile. Ouais. Mais oui. Oh, quelle belle armure, Znico! On est dans l'étang, ou dans la mare. Ouais. Mais là, j'aimerais bien avoir. J'ai mis le grand Vogui, je me suis dit avec vous, c'est sûr, je vais avoir une écaille. Ah, ok. Une écaille, vous. C'était cool, dans mes souvenirs, le futuroscope, j'avais tant ses mains. Eh ben écoute, moi aussi, j'y suis allé quand j'étais petit. Et je trouvais ça over cool. Et en fait, j'y suis allé l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec ma femme. Et en fait, mais le problème du futuroscope, c'est que c'était le futur de mes d'il y a 20 ans. Quoi. Du coup, t'as plein d'attractions qui sont sympas, mais t'en as beaucoup qui ont très mal vieilli. Pour te dire, il y a un cinéma 3D, je sais pas quoi là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le même film que moi quand j'étais petit. C'est-à-dire que c'est toujours le même documentaire depuis quasiment 25 ans. Tu te dis, ils auraient peut-être pu retourner un autre documentaire, enfin, je sais pas, faire quelque chose quoi. Ça a mal vieilli. Les attractions qui sont très sympas, celles de la Pâquerette, elles sont géniales. Mais il y en a, Vienne la Rapide, c'est devenu vomitif quoi. Le cinéma 4D. Le voyage sur la Lune. Le sera disponible. C'est ça. Et, donc après, il y a des attractions, là, le truc où t'as les pieds en l'air et tout, le voyage de Jules Verne, c'est super sympa. Et je sais qu'on s'était fait. Il y a une sorte de forum. Il y a le forum du futur où ils te présentent des nouvelles inventions. Et bon, on y a été un jour, on a eu de la chance avec ma femme, on y a été un mardi, genre en plein milieu des vacances scolaires d'été, et du coup, il n'y avait personne, quoi. Il y avait juste des groupes, écoles. Pas des écoles, puisque c'était vacances d'été, donc c'était des centres, tu sais. Donc, à part quelques gamins, tu vois, on a fait la queue sur aucune attraction. Et ça, c'est quand même super cool, parce que du coup, t'attends pas, quoi. Et. Ah, je sais pas ce que j'ai pris. Souvent, vacances d'été, les gens ils vont plus au Puy du Fou. Ouais, enfin, j'ai pas encore fait le Puy du Fou, mais ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Enfin, bref. Et donc, le mec il me fait ah, venez, les inventions de demain et tout. Tu dis bon, on va les regarder et tout. Tu es bien, toi. Puis le mec il a essayé de me vendre une imprimante 3D, quoi. En disant ah, vous voyez le principe d'une imprimante 3D. Je fais mec, j'en ai 3 à la maison. Ah! Donc vous savez comment ça marche? Bah un peu ouais. Un peu mon gars. Ah bon d'accord, ok. Et il était un peu tout dégoûté parce que voilà, il pensait me rendre fou quoi, tu vois. Et bon, c'était rigolo. Après, moi je suis bon public quand même. Hein. Je passais une très bonne journée. Par contre, tu vois, on avait prévu avec ma femme de rester pour les feux d'artifice ce soir et tout. Puis à 15h, on avait fait le tour du parc. On s'est dit bon. On va pas attendre quasiment 5 heures pour voir un feu d'artifice quoi, donc on est rentré.
On organise un voyage avec les gamins de collège, les troisièmes. C'est le voyage de fin d'année en fait. Donc on part. Ah, ça c'est cool par contre. Ouais, on part 3 jours. On fait les plages du débarquement. Donc, dans la première journée. Le soir, on arrive au Futuroscope. Donc là, on fait pas le parc, on fait que dormir. Et après, ils ont droit à, on va dire, un jour et demi entier dans le parc. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est cool. On a le temps de faire. Et puis quand t'es gosse, tu t'en fous de refaire les mêmes attractions ou des trucs comme ça et tout. Enfin, c'est. Ouais, voilà. Ah, bah les gamins, ils font 10 fois danser avec les robots. Ils font. Puis ils sont heureux, donc à la limite, tant mieux quoi. Enfin, c'est. Ça, c'est vraiment. Pour les gosses, c'est top quoi. Mais après, y aller en amoureux. Voilà quoi. Je conseille peut-être un peu moins. Après, je sais que on a nos. Enfin, j'ai 2 amis à moi qui sont allés genre un an après nous. Et qui ont surkiffé. Donc, ça veut. Enfin, voilà, ça peut. Il y en a pour tout le monde. Hein, bah, je pense que quand tu l'as jamais fait, t'apprécies. Quoi. Peut-être, ouais. C'est vrai que peut-être que je souffre du fait que je l'avais déjà fait quand j'étais petit plusieurs fois. Ouais. Ah oui, par contre, dans le forum, il y avait aussi une sorte de bar du futur où ils faisaient de la. Tu sais, des trucs un peu chimistes. Genre des cocktails chimistes avec des petites bulles, tout ça et tout. Froid, chaud, tout ça et tout. La cuisine New Age, je sais pas quoi. Ça, c'était pas mal. Mais la cuisine moléculaire. Ouais, moléculaire, voilà, c'est ça. Bon, c'était un peu cher, mais c'était pas mal. Après, ce qui est sympa aussi, c'est le. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc, espèce de tapis volant là. Le Jules Verne. Ah, c'est peut-être Jules Verne alors. Où tu voyages avec les pieds dans le vide là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sympa, le grand écran et tout. C'est l'un des nouveaux justement, c'est le plus récent avec le lapin crétin. C'est pareil, le lapin crétin, tu vois, comme on avait le temps qu'il y avait personne, on l'a fait plusieurs fois d'affilée quoi. Ouais. Ouais, le lapin crétin, c'est marrant. La première fois que tu le fais, c'est marrant. Après... Ouais, tu le fais une deuxième fois après. Bon. Tu le fais pour dire de passer le temps quoi. C'était à. C'est, je sais plus si c'est Bellward ou Walibi aussi. J'en ai ma nièce il n'y a pas si longtemps que ça, c'était sympa. Ah, Walibi c'est génial avec l'Aqualibi en plus. Ah, ça, ah ouais, c'est vrai, il y a l'Aqualibi maintenant. Belgique. C'est en Belgique. Ouais. Je l'avais fait, j'étais étudiant au mois de juin. C'était un bonheur, il n'y avait personne. Tu m'étonnes. On a fait toutes les attractions 3-4 fois, je crois. Ouais, l'Aqualibi, j'aimerais bien le faire un jour. Mais... Ah oui, l'Aqualibi nous avait offert du temps d'ailleurs. Tellement il n'y avait personne. Offert du temps? Ouais, en fait, normalement, t'es limité à 1 heure, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais? Et là, il nous avait dit, vous pouvez rester 2-3 heures, de toute façon, il n'y a personne. Il va sortir. L'Aqualibi, c'est quoi? C'est un parc d'attraction ou c'est une piscine? C'est un truc avec plein de piscines, des toboggans géants. Attends, tu viens, tu te fous en maillot de bain, heureusement que tu peux. Si c'est qu'une heure, c'est un peu la loose quoi. Ouais. D'habitude, quand il va, vas-y au mois de juillet, tu verras que t'es limité. C'est blindé. Ouais, c'est plein. Donc t'es limité en temps quoi. Tous les Belges, ils y vont. Est-ce que ça coûte pas trop cher pour eux? Et donc, c'est dans lequel qu'il y a un truc avec des pop-corn. Une sorte de cinéma où tu tires et tout. Je viens juste te dire bonjour et je vous laisse tranquille. Ah, salut. Il vous laisse squatter une place, ouais. Il vous laisse squatter une place, on le sait. Non. Je dois jouer avec Jérôme normalement, donc je me suis mis dans mon coin, il n'y a pas de souci, je vous laisse tranquille. Mais je souhaitais juste vous dire bonjour, voilà, parce que je vous aime. Et l'émission, Jérôme, et l'émission? Ouais. Quoi, l'émission? Bah, tu seras pas là du coup si tu joues. Il a regardé une oreille. Je vous verrai parce que je serai vu que je suis obligé d'utiliser mon interface de stream pour avoir le son du jeu et Discord en même temps. Donc je verrai tous les commentaires. Donc je verrai les commentaires et je pourrai rager. Voilà. Y'a pas de soucis. Très bien. Sur ce. Jérém, ah, c'est Jérém qui stream ce soir apparemment. Dans le chat, on dit. Je dois streamer ce soir? Ok. C'est ce que dit Amasekai, moi j'en sais rien. S'il faut, moi je peux. Enfin, s'il y a personne, je peux streamer l'histoire du Monster Hunter. Et il y a Juju! Ah bah, s'il y a Juju et que Juju elle veut me voir streamer, je stream. Non, c'est parce que depuis tout à l'heure on troll sur qui stream ce soir, parce que personne n'est prévu. On a essayé de fourrer à Ico, mais il bosse. À Masekai, il fait des chinoiseries apparemment. Bon, chef, tu me dis, faut que tu streames ce soir, je stream ce soir. Ah bah, c'est si t'as envie, attends. C'est vraiment si t'as envie, nous.
Honnêtement, si je stream ce soir, ça sera du Monster Hunter. Donc s'il y a du monde qui veut venir jouer avec moi, ce sera avec plaisir. On va trouver toujours du monde sur Monster Hunter. Donc ça sera vers 20h30, 21h comme d'hab quoi. Voilà, voilà. Bon, ah, Spoddy qui troll, c'est l'heure de l'émission. Et vous voyez, j'avais dit tout pile deux missions et paf deux missions. Alors les gars, vous pouvez dire que je suis là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais j'avais raison. Timing. Bon, et bien sur ce, moi je me casse. A plus tard, salut. Salut. Tu joues avec Jérôme? Sinon on peut rejoindre avec Jérôme. Ah, il y a le chien de Jérôme qui est toujours sur le canal Vaux. Ouais, faut foutre. Pas va te faire foutre, toi, Gert, c'est carrément. Ah, j'avais pas compris, bordel. Eh, c'est un canard. Bon, mais merci à vous, Znico, Steph et Lina. Nous, on va basculer sur le vocal de l'émission. À plus tard, les gars. On va se connecter. Voilà, bonjour Adra. Ah, bonjour Adra. Coucou. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez trouver des games Monster Hunter, discuter avec la communauté comme on le fait là maintenant, jouer, on vous aide à avancer dans Monster Hunter en multijoueur, vous venez sur le Discord, point d'exclamation Discord, et vous pouvez, voilà, avec la communauté, avancer doucement mais sûrement dans Monster Hunter. Voilà, donc là on va se mettre en pause, le temps de préparer l'émission, on revient dans quelques instants.